Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, bah ça commence bien. Manon qui commence le live avec un subscribe. Manon qui est subscribe depuis déjà 5 mois. Merci infiniment, Manon. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Salut à toi d'ailleurs, Manon. Salut à toi, Karken. Je crois que j'ai pas remonté ma chaise. Hop. Voilà. Alors, je suis un peu à la bourre ce soir. J'espère que vous me pardonnerez ça. Hop. Alors, du coup, je suis un peu encore à l'arrache. Voilà. On s'installe. Salut à toi, McCall. Bienvenue. Et donc, on va encore causer conteneur. On va continuer là où on s'était arrêté dimanche dernier avec Podman. Enfin, on va. Je ne sais pas exactement si on va reprendre exactement. Et Manon qui offre un sub à Karken et qui en est à 16 subs offerts à la chaîne. Bah Karken, tu peux remercier Manon. Et Manon, encore merci. Allez hop, McCall aussi. On va faire le mime avec. Mince, comment elle s'appelle l'animatrice télé américaine là, You got sub, you got sub, you got sub. Mince, c'est. Ah, j'ai oublié son nom, c'est malin, maintenant que j'y pense, j'ai oublié son nom, c'est triste. Bon, il fait un peu chaud en ce moment, donc je bois beaucoup. Bon, en tout cas, encore merci Manon. Mince, j'ai oublié son nom. D'une personnalité de télé américaine qui. Est-ce que je peux. Est-ce que je peux retrouver ça sur Wikipédia? Ouais, c'est ça, Oprah. Oprah Winfrey. Ah, Manon, tu vas rejoindre le club très prisé des propriétaires. C'est chouette, ça. Enfin, si ça passe, ce que je te souhaite, hein. Ah, le petit data center personnel. Oui, ça, on adore, on adore. Ah. Mais oui, au grognos, c'est tout à fait Oprah Winfrey. Tu feras comme Yves, tu vas tirer de la fibre pour relier la box avec l'atelier. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Alors moi, je suis dans un appartement, donc je n'ai pas de dépendance dans laquelle mettre tout mon bazar comment dire, avec une fibre. Moi, à ce jour, en fait, le lab, en fait, il y a une partie sous le bureau et une autre partie plutôt par là. Avec deux trois lacs de chez Ikea empilés les unes sur les autres. Un data center dans un Kallax 4x4 peut-être. Oui, ça peut être une idée. Ou alors il existe des. Oui, voilà, il existe des baies qui font 10-12 U, je crois. Enfin, t'as plein de tailles, genre t'as 6, 10, 12, un truc comme ça. Voire même jusqu'à 15 ou 20, je crois. Je crois qu'une demi-baie, ouais, c'est une vingtaine d'U, peut-être. Parce que moi, à une époque, je connaissais les baies 42U. Et puis un jour, on m'a montré les 46 et je me suis dit, ah bon, on peut faire plus grand que 42. Ouh. Mais oui, voilà, on peut en faire des petites. On peut en avoir des petites. Pop-pop-pop-pom. Mais voilà, honnêtement, moi je suis très bien, je suis très bien à ce niveau-là. En termes de geekerie. Ouais, c'est ça. Revenons à Podman. Merci Manon. Merci Manon. Donc, alors j'ai redémarré la petite VM de test. Est-ce que je vais retrouver. Pop-pop-pop-pom. Est-ce que déjà j'arrive à m'y reconnecter? On va se changer de. Hop! De vue, voilà. Salut à toi, Tuxit. Bienvenue. Alors,
Je vais peut-être me mettre en Tmux. Ouais, c'est vrai que j'avais installé tout mon confort la dernière fois. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va pouvoir d'ailleurs... Ouais, je triche, je regarde l'historique. Je m'embête pas. Est-ce que normalement... Ouais, on avait réussi à faire ça. Ça va encore parler d'un truc que tu connais pas. Ah, t'étais peut-être pas là la semaine dernière, Tuxit. Est-ce que si je relance... Si je relance mon petit Podman, si je fais ça, hop, et que je vais chercher mon, mon navigateur, voilà, et puis que je fais un petit HTTP 192.168.122.122, ouais, ça marche toujours. Alors, Manon, tu n'étais pas là jeudi, mais en fait, on fait pas la même chose le jeudi et le dimanche. Le jeudi, on reste sur le labo. Et le dimanche, on fait joujou avec Podman. Donc, les deux sont décorrélés, même si je ne m'interdis pas, à un moment, de faire du conteneur sur mon lab plus tard. Pourquoi pas ? Mais dans l'immédiat, c'est pas au programme. Pour le moment, le lab, ça va être essentiellement de la VM, en fait. Donc non, ce n'est pas gênant. Bref, là, je vais peut-être donner un petit peu de contexte. Qu'est-ce que c'est que cette page ? Cette page, c'est de l'HTML statique. C'est ce que je déploie sur mon site, voilà. Alors non, pas Instagram, sur anotherhomepage.org, tout simplement. J'ai fait ma page d'accueil comme ça, voilà. Et en fait, à peu de choses près, là, c'est la même chose. Juste que j'ai pris vraiment purement ce qui est dans le repo Git. Sachant que entre le repo Git et ce que j'ai mis sur anotherhomepage.org, c'est que j'ai. Comment dire ? Je fais de la. Pas de la compression, mais je fais de la minification. Donc voilà, c'est visuellement la même chose, c'est rassurant, mais entre les deux, le code a été minifié. Alors pourquoi j'ai pris ça ? C'est juste pour avoir des pages statiques avec un rendu, pour pouvoir commencer à faire joujou avec des conteneurs et créer moi-même des conteneurs. Normalement, si je me rends dans... Mais, oh, bah dis donc, c'est la fête ce soir. Merci beaucoup Chaos pour le raid. Venez vous installer, Chaos et ses 44 amis. Chaos Farbotti et les 44 raiders. C'est pas mal ça, hein. Alors, avec un follow de la part de Wacoset, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce que vous faisiez de beau avec Chaos ? Racontez-moi. Vous avez de la chance, on a pas commencé. Merci beaucoup pour le follow TPL23. C'est très gentil à toi. Qu'est-ce que vous faisiez de beau avec Chaos ? Merci beaucoup pour le follow, Fablige. Alors, un CTF Hack the Box. Ok. Une box avec une petite faille Python Capabilities. Oh là ! Ça a l'air chaud. Merci beaucoup pour le follow, Alone. Merci beaucoup. Enfin, Alone, je veux dire. Alone, c'est 38.1. 01, pardon. Où est-ce que j'en étais, moi ? Hop, je m'étais fait un petit répertoire Podman avec un premier répertoire de test et un Dockerfile. Merci beaucoup pour le follow pendant ce lag. Merci beaucoup. Et donc, j'avais mon petit Dockerfile. Alors. Donc, en gros mon petit Dockerfile qui me permet de créer mon... Il n'y a rien à la télé, donc on vient te voir de la part de Chaos. C'est gentil. Salut à toi, Illisoft, bienvenue. Ouais, bien sûr, bah justement, j'allais attaquer le résumé, ça tombe bien. Donc voilà, pour les pour celles et ceux qui nous rejoignent depuis le raid, rassurez-vous, vous n'avez pas loupé grand-chose.
En gros, je débroussaille un peu le monde des conteneurs, en particulier en utilisant Podman. Pourquoi Podman? Parce que c'est. Alors, en théorie, c'est Docker compatible. Et bon, on verra si ça l'est dans la pratique. Et parce que c'est le truc qui semble le mieux intégré à la distribution Linux que j'affectionne, qui est en l'occurrence Fedora. J'ai pas de NeoFetch, tiens, là-dessus. Bon, de toute façon, si je fais un cat etc Red Hat Release, hop, voilà, Fedora 36. Et donc, en gros, j'ai commencé dimanche dernier. On s'est amusé à faire un premier conteneur. Alors si je fais un petit pas Docker, mais si je fais un petit Podman PS, voire même Podman PS AUX, je crois. Non, Podman PS tout court. Donc là, j'ai juste un conteneur qui tourne. Salut à toi, Rancune, bienvenue. Et en gros, ce que j'espérais faire, c'était avoir dans un premier temps un conteneur Podman, donc compatible Docker, customisé, avec un petit site web dessus. Donc là, je suis sur une VM qui s'appelle Podtest. Comme ça, au moins, si jamais je fais des bêtises avec les conteneurs sur la VM, j'aurai plus qu'à tracher la VM. Et donc, on s'était battu avec la redirection de port dimanche dernier. Si je fais un petit history pipe grep firewall, vous allez voir qu'on s'est un peu pris le chou. On s'est un peu pris le chou. Parce que, en fait, la blague, c'est que la redirection de port comme ça. Ne fonctionne pas en local. Si je recherche un de mes curls, hop, voilà, par exemple ce curl-là, si je fais ça, il me dit au fait ça veut pas. Alors que si je le fais sur le port 80, non, sur le port 8000, là, j'ai ma petite page web. Et si je viens avec un petit navigateur depuis mon PC fixe, merci beaucoup pour le follow, BlackSnowCTF. Je suis content, j'arrive à lire le lead speak, toujours. Merci beaucoup pour le follow, Tetranima. Merci à toi. Là, on peut voir l'URL. Et comme je disais, hein, j'ai pris les pages. J'ai pris la page de ma page d'accueil public Another Homepage. Le curl qui fonctionnait pas, bien sûr, je te le remontre. C'est celui-là. Comme ça. Alors, non, ça, c'est celui qui marche en 8000. Mais si je laisse sur le port standard, il marche pas. Et en gros, c'est parce que la redirection de port au niveau de Firewall D. Oui, parce que bah, quitte à être sous Fedora en environnement Red Hat, autant utiliser les trucs qui vont avec. Et donc, bah, j'utilise Firewall D. Alors, j'ai pas la commande sous la main, mais il y a quelqu'un hors stream dans la semaine qui m'a dit hey, au fait avec les rich rules de Firewall D ça marche les rich rules qui ressemblent à de la syntaxe ipétable et il se trouve que bah, aujourd'hui Firewall D n'est plus sur ipétable qui est l'ancienne brique de firewalling du noyau Linux et aujourd'hui Firewall D utilise en back-end nftable et moi je me disais ça doit plus marcher vu que c'est les commandes on lui passe grosso modo des commandes ipétables. Et donc cette personne a testé, alors sur une Debian par contre, mais en back-end nftable malgré tout, sur Firewall D, et ça passait, même en local. Alors j'ai plus la commande sous la main, je vais pas passer non plus tout le stream à la retrouver. On n'a pas, on n'a pas le port forward en local. Bon, on fera 100, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout. Si je reviens sur mon conteneur, enfin en tout cas sur le fichier de définition de mon conteneur, on s'était basé sur un conteneur Fedora officiel standard, et puis on a rajouté dans notre Dockerfile, voilà, j'ai fait, on installe Nginx, on installe Git Core et alors rsync c'était peut-être pas forcément nécessaire, je vais peut-être pouvoir l'enlever et rebuilder d'ailleurs, ça fera plus petit. D'ailleurs, je crois qu'on avait regardé si je fais un Podman Images. Hop.
Voilà, on a vu que j'avais récupéré genre un conteneur, le conteneur Debian officiel, le conteneur Alpine officiel. On voit quand même que le conteneur Alpine officiel, dans le genre petit, il se pose là. Donc on pourra envisager de faire peut-être un conteneur Alpine à un moment pour s'amuser. Voili, voilou. Donc là, en gros, ce que j'aimerais faire ce soir, il y a peut-être des chances que ce que j'ai envie, c'est de jouer avec du stockage supplémentaire au conteneur. Que j'ai envie aussi d'appliquer une config sur Nginx. Parce que, en gros, là, si je nous fais un petit. Non, c'était pas ça. Pop, 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 pom, non plus. Pop, 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 pom. Ah oui, du coup, il me faut Podman PS. Et si je fais un exec, mon IT pour rentrer dans le conteneur en prenant l'ID du conteneur, bin bash. Voilà, donc là je suis dans mon conteneur. Hein. Si je fais un pgrep nginx, pgrep command farm. Ah oui, un PS non plus. Ceci est. Est-ce que. Oh, ce serait moche si j'installais les core utils comme ça à la main. Mais de toute façon, si je fais un PSAUX3W ici, grep nginx, j'ai un nginx qui tourne. Et qui tourne sous un utilisateur assez. Si je fais un cat etc passwd là-dessus, j'ai un. Oui, j'ai un nginx. Alors c'est marrant le mapping, là il est en 999 et là il est en. il est en beaucoup. mais je peux faire un petit RPM-Q Nginx. Hein. Et voilà, il n'est pas installé. Donc, dans le conteneur, qu'est-ce que je voudrais vous montrer? Eh bien que si je vais dans le répertoire ETC Nginx et que je jette un œil au. Alors je suppose que j'ai pas la commande tri. Hop. Voilà. On peut voir que dans le conf.d j'ai CUD. Dans le default.d, bah pas mieux. Et qu'en gros, bah. Voilà. Donc en gros, c'est le fichier de conf. Alors, par défaut, Vitus. Hein, c'est le fichier de conf par défaut de Fedora. Et pour le moment, bah il n'y a pas grand-chose. Hein, en fait, si je regarde, j'ai donc un serveur avec un listen. Qui listen en IPv4 et en IPv6 avec un server name qui est en mode open bar. J'ai un route là, j'ai un include, le 404, les erreurs 500, ok. Mais j'ai pas grand chose de plus pour le moment. Et j'ai juste un access log ici. Et si je jette un œil, alors on voit du coup les IP internes, parce que si je fais un IP A, DDR, show, IP command not found. Ah ouais, ils ont taillé dans le gras, côté. Qu'est-ce qu'il y a de. Ah, il y a quand même 187 packages, ok. Mais bon, à la base, moi je voulais surtout montrer les 4 var log nginx access.log. On a aussi normalement un error.log. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien gentil, tout ça, mais si je détruis mon conteneur, il se passe quoi? À votre avis, il se passe quoi si je détruis mon conteneur, la mes logs? Mes logs, ils deviennent quoi? Mon docroot Nginx, il devient quoi? Bah en fait, ça devient rien du tout. La preuve, hein, on va regarder. Hein. Alors là, normalement, la machine, elle doit être en. Voilà, elle est en UTC. Donc il m'annonce 16h31. Une erreur 500. T'as vu une erreur 500? Pop-pop-pom. T'as vu une erreur 500? Grep 500 var log nginx access. Non, il n'y a pas d'erreur 500.
Hop là. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais je détruis mon conteneur, en fait, le contenu disparaît. C'est-à-dire qu'en gros. Ah, par rapport à la question, ouais. Et ben en fait, disque MirrorQT, en fait, les logs disparaissent, en fait. C'est-à-dire que là, tu vois, donc je disais, on est le 12 juin à 16h31. J'ai recréé le conteneur, enfin j'ai relancé le conteneur juste avant le stream. Et tu peux voir qu'il n'y a rien dans l'access log. Parce que j'ai fait un cat, hein, j'ai pas fait un tail. Et ben y a rien du tout. Il y a mes deux curls. Il y a les requêtes avec le navigateur. Hein, on voit que voilà, Firefox machin. Mais on n'a pas grand-chose. Si le truc était resté par rapport à la semaine dernière. J'aurai les requêtes de la semaine dernière. Et là, si je quitte le conteneur et que je fais un petit. Est-ce que c'est un kill ou est-ce que c'est un destroy, hein? J'ai perdu le. Allez, on va tricher. On va regarder l'historique. Podman. Hop là. Comment on l'avait. C'était pas un kill C'est un stop. Autant pour moi. Donc si je fais un podman PS. Et que je fais un podman stop de cette ID là. Hop. Donc là j'ai plus rien. Juste pour le principe. Hein, je fais un refresh, bien entendu, il n'y a plus rien. Et si ensuite je refais. Je relance un run. Hop, on va relancer le même. Voilà. Je refais un podman PS. Petit podman exec. Hop. Exec. Du nouvel ID. Donc déjà l'ID n'est plus le même. Hein. Bin bash. Voilà. Et si je vais dans var log, nginx. Et qu'on regarde, bah déjà l'error log et l'access log sont vides. Et si maintenant je reprends mon navigateur et hop, là par contre, on est bon. Alors là, il m'a fait qu'une seule ligne, il m'a pas tout retéléchargé, bah parce qu'il avait en cache le petit mouton, la CSS, la totale quoi. Donc, alors disque MirrorQT, faudrait faire un script qui copie le log quand le conteneur est détruit. alors, c'est une idée, mais c'est une idée qui nécessite quand même d'aller un peu loin dans les trucs, au sens où faudrait du coup rajouter le script dans le conteneur. Alors, c'est une chose, mais surtout le conteneur, lui, quand on est dedans, si je fais un petit df-h, eh ben, on voit pas grand-chose. En théorie, je ne peux pas sortir du conteneur. En théorie. Après, il y a peut-être des vulnérabilités qui permettent de faire de l'échappement de conteneur. Mais effectivement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Rancune qui propose qu'on fasse un montage pour le varlog vers un système de fichiers externe. Et oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. En fait, grosso modo, alors, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vaguement compris et de ce qu'on va découvrir ensemble, hein, Podman ayant quand même pour but d'être à armes égales avec Docker, et comme on peut créer des volumes Docker supplémentaires, eh ben, on va pouvoir utiliser du stockage externe. Donc si par exemple là, pop, 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 pom, je suis sur le truc, qu'est-ce qu'on peut... Il y a quoi dans varlib? Il y a un varlib containers, c'est bien ça? Alors ce que je vais peut-être faire moi, c'est que je vais me faire un petit répertoire containers sur... Alors j'ai un répertoire podman. Et un test 0.1. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un répertoire storage ici. Voilà.
Et dans le répertoire storage, on va créer. Bah non, vu qu'on est déjà dans le test 01, ça va le faire. Il n'y a pas de souci, que tu sois sous Fedora ou sous Debian. Podman est disponible sous Debian. Il n'y a pas de souci. J'aurais pu installer Docker sous Fedora aussi, hein, c'est possible. C'est possible. C'est juste un choix. C'est, je me suis dit, tiens, je vais jouer avec Podman. Alors, j'en étais où? Ouais, je me suis créé un répertoire de stockage, pardon, de stock. Oula, Nils, fatigué ce soir. Je me suis créé un répertoire de stockage ou de storage. Voilà. Echo, coucou le stream. Allez. Et on va mettre ça dans storage. Et on va l'appeler YOLO.txt. Ensuite, Podman PS, Podman stop, hop. Alors, une raison particulière d'utiliser Nginx. Il me semble que Kali c'est pas mal aussi. Une raison particulière. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, les deux serveurs web que je connais le mieux, ça reste Apache et Nginx. C'est quitte qui. Enfin, j'ai envie de dire pour le moment, je vais axer ma découverte sur Podman. Et au moins, connaissant Nginx, je sais comment la conf fonctionne. Kali, pour être honnête, j'y ai pas encore touché. Où en étais-je? Ouais, je voulais essayer de monter ce truc-là quelque part. Alors, pour l'anecdote, je me base sur un truc existant, hein. Je sors pas les commandes de mon chapeau. Je vais suivre en grande partie, mais on va très certainement s'en éloigner par moment pour faire des tests et s'amuser un peu. Je vais vous poster un lien. Hop. Que je vais d'ailleurs aller mettre dans les liens de mon serveur Discord, dans les liens du live. Serveur Discord que vous pouvez retrouver hein, par ici. Et que vous pourrez aussi retrouver en dessous dans les infos de la chaîne. Ce qui est plutôt sympa d'ailleurs, on va tester. Alors un truc que je vais tester par rapport au lien que je vous ai filé, que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop. Qui fait les trucs en tant que root et qui le dit, eh, au fait, on va le faire en mode on va le mettre en mode privilégié. C'est-à-dire qu'en gros, le conteneur va tourner plus ou moins en tant que root. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de le faire en mode non privilégié. Je pense que c'est une bonne petite expérience à faire. Et donc, si je reprends mon podman, hop, t'es passé où? Non. Voilà. A priori, on peut le faire en mode moins V. Alors, moins V, on va faire point slash storage. Et on va le faire dans. Ouais, on va le mettre dans slash MNT, tiens. Hop. Hey, ça passe! Ça passe! Si je fais un podman PS. C'est cool, je l'ai. Recursing Vara Amira. Ok. Alors encore une fois, hein, ça c'est le nom du conteneur qui change, tout comme l'ID du conteneur change à chaque nouvelle instanciation. Le truc met un nom avec deux trucs, un adjectif et un nom. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un Vara Amira. Mais récursing, j'ai une petite idée.
Alors, si je tente maintenant un podman exec moins it, et qu'on va là-dedans et qu'on fait slash bin bash, non, où est-ce que je me suis trompé? Ah, exact, ok. Exec, voilà. Alors, canonic create session, non, ah, je me suis trompé. Hop, c'était quoi le truc? Quand j'avais fait mon Docker exec. Ah, c'est parce que j'ai réutilisé le même podman ps. Oui, c'est ça, c'était pas le même. Je m'étais trompé d'ID. Alors. Maintenant, je suis dans le conteneur. Alors, juste par acquis de conscience, cat var log nginx access.log. Pour le moment, il est vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Et puis, 192, hop, voilà. Donc là, normalement, depuis mon poste physique, qui me sert à streamer, je viens de faire un curl vers mon conteneur. Et là, on a le bignou. Ensuite, si je fais un petit df-h, hey, j'ai un MNT cette fois-ci. Et qu'est-ce que j'ai dans ce slash MNT? Comment ça, permission denied? Comment ça, permission denied? J'ai pas le droit? Qu'est-ce que vous racontez de beau sur le chat? Alors, Caddy, c'est pour faire des sites e-commerce. Des sites e-commerce. Comme les grandes surfaces. Alors, tu n'étais pas là la semaine dernière, McCall, mais Podman, c'est une surcouche Docker. Non, absolument pas. Absolument pas. McCall, Podman, tu n'utilises pas Docker avec, tu l'utilises à la place de Docker. Là où Podman est intéressant, c'est que en théorie, tu fais alias Docker égale Podman, et au niveau des commandes, tu as exactement les mêmes. Donc là, normalement, ça passe plutôt pas mal. Ensuite, alors c'est surtout beaucoup plus simple en termes de conf. Ah oui, pour les. Pour Caddy qui sort les logs en JSON, pour parser les logs, bah ouais, c'est vrai que c'est pas mal de parser les logs en JSON. Hop. Oui, c'est vrai que oui, y a pas besoin d'installer Sortbot ou un autre logiciel à côté. Mais j'avoue, moi j'ai quand même pas mal mes habitudes avec Nginx et Apache. Et les habitudes, c'est quand même sacrément difficile de s'en défaire. Bon, alors. Comment ça se fait qu'il me dit slash MNT permission denied? Je suis en train de me demander si Podman en mode non privilégié. Est-ce que ça passe au moins? Si je jette un œil, est-ce qu'il y en a un qui me dit... Alors... Alors là, je suis tombé sur une page qui a l'air assez sympa. Alors attention. C'est bien clair, bien blanc. Hop, je vous le postez. Je trouve ça assez instructif. Hop là. Ah, zut. Et en gros, de ce que dit lui. Hop. Alors, comment on s'y prend? Pop, 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 pom, Podman, gna, ouais, ok, cooperate willingly. Ok, some command, ouais.
Alors non, je vais pas m'arracher les cheveux. Erreur, permission. Il y a peut-être. Ah ouais, effectivement. Mais ça, je veux pas. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. Atercop, merci à toi. Alors. Donc a priori le truc, ouais c'est vrai que si je me mettais si je désactivais ce Linux et que je me mettais en route, ce serait probablement plus facile. Mais celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, dimanche dernier, vous vous doutez bien que c'est pas cette route que j'ai décidé de prendre. Alors comment partager un volume depuis la machine hôte sur Podman quand on est dans des conteneurs? Rootless, c'est-à-dire non privilégié. Alors. Donc ça, bah oui, on le fait en tant qu'utilisateur. La deuxième colonne, utilisateur qui... Ok. Root, c'est surfait, admin, c'est mieux. Bah, de toute façon, ça, on l'avait vu, hein. On l'avait vu tout à l'heure, hein, quand j'ai fait un petit PS AUX 3W, là, pipegrep nginx. Hop, si je fais un pipegrep, alors si je fais bash, à mon avis, je vais avoir mon utilisateur, moi. J'ai, et puis j'ai le podman qui est là. This is not this route you are looking for, petit geste de la main. Merci, McCall. J'aime beaucoup la ref. J'aime beaucoup la ref. Alors, bah tiens, running podman as non-root, which your UID. Ok. Et non-root, non-root. Bah voilà. Ça, on l'a vu tout à l'heure parce que, effectivement, quand on a le Nginx qui tourne, on a vu que, voilà, ici, on a un UID qui n'est pas le même que. Enfin, on a le nom de l'utilisateur qui n'est pas le même que si je fais un grep Nginx dans etc passwd. Hop, on est. Ah, voilà, on n'a pas le même ID. Il n'y a pas de souci pendant ce lag. Tu pourras toujours regarder le replay si ça t'intéresse. Merci en tout cas d'être venu avec le raid. J'espère que tu repasseras bientôt. De toute façon, hop. Les streams tournent à horaires réguliers. Les dates et heures sont indiquées dans la page Twitch. Et je préviens quand il y a des. Je préviens quand il y a des. Comment dire, quand il y a des imprévus. Comme jeudi prochain où je streamerai pas. Exceptionnellement. Comme le disait Arnold dans Terminator. Je reviendrai. Bah écoute, t'es le bienvenu. Il n'y a pas de souci. Reviens. Avec plaisir. Podman juggles UID. D'accord. Pas mal. Pas mal. Alors, les user namespace. Ouais, ok. Ouais, ça permet de faire du mapping, voilà. Ok. Hop. Alors. On peut voir les mappings slash proc slash self slash UID map dans le conteneur. Ah ouais. Tiens, on va regarder ça alors. Alors, cat, on est dit slash proc self UID map. Et donc là, on a le mapping, d'accord. Ok, c'est cool, c'est très cool. Non, je n'ai pas quelques minutes pour regarder une vidéo YouTube de chère date. Ce que je veux, c'est alors. Ah mais alors là du coup donc le MNT bah non il appartient à route hein. Alors on va faire leur exemple là. Je vais aller récupérer BusyBox hein, si je fais un Docker. Oh là. Podman pool BusyBox. Alors, il va récupérer quoi? Hop,
Et si je fais plutôt hop, PWD storage. Hop. Il a mis un 2.z, tiens, c'est marrant ça. Ah oui, il y a le dollar en trop. Hop. Donc là, normalement, si je fais un echo dollar, dollar 0, SH. Alors, je vais quitter ici. Podman PS. Et j'ai effectivement un conteneur BusyBox. Et donc, si je fais un ls-h, ls-al, mn, slash mnt. My folder. Non, hop. Et donc j'ai bien mon yolo.txt. Ok. Non, pas comme ça. Donc là, j'ai bien mon yolo.txt. Et dedans, coucou le stream. Ok. Donc ça, au moins, avec leur exemple, ça marche. Et a priori, ce qui est marrant, c'est que le yolo.txt appartient à root. Alors que si ici, je vais dans mon répertoire podman test01 storage et que j'ai un yolo.txt, il appartient à Nils. Alors que pourtant, je l'ai lancé en tant qu'utilisateur. Hop là. Merci beaucoup pour le follow, Mobitatem. Merci beaucoup. Alors. Mais alors, dans ce cas-là, à la limite, moi, ça me dérange pas que ça appartienne à root, en tout cas, pas pour l'instant. Stop. Alors, je vais quitter ça. Voilà. Et je stoppe le Nginx. Non, pas ici. Je le stoppe ici. Alors, si je reprends... Si je reprends leur truc comme ça. Et que je fais... Alors, je sais pas ce que veut dire le 2.z, par contre. Je vais réessayer avec le 2.z, tiens. Je vais reprendre cette commande-là. Peut-être vaut peut-être mieux sans le slash à la fin. Et je fais 2.z. Est-ce que je vais avoir mon yolo.txt dedans? Ok, ensuite. Et j'ai directement mon yolo.txt. Ok. Alors, à quoi sert le 2.z? Je n'en ai pas la moindre fichue idée. Alors. On va refaire. Hop. Ah oui, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le volume. Man, podman-volume. Podman-volume. Alors. Ah. Non, ça, c'est pas la même chose, effectivement. Là, on est justement sur un file system qu'on a déjà. Bon, on va continuer de lire leur truc là. Podman and share. Let's you run a command in the same user namespace as your containers. Ça utilise la commande and share. Ok. Ok. Merci Rancune, je me savais pas que j'étais en mode ASMR. Alors.
Alors comment il fait? Il fait carrément un... Ah d'accord, faut utiliser la commande comme ça en unshare. Chaume, ok. Mais là par contre, moi ce qui se passe, c'est que ce que j'ai pas compris, parce que finalement j'avais mon 2.z qui fonctionnait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un truc. Parce qu'effectivement, je nous parlais des logs. Si je fais... Ouais, dans storage, on va faire deux répertoires. Enfin, même plusieurs. Alors, on va faire un mkdir stuff. On va faire un mkdir logs. Log plutôt. Et un mkdir htdocs. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quitter mon conteneur. Hop. Et ce qu'on va tester, on va reprendre notre commande là de hop, et on va lui dire storage log, et on va aller dans var log nginx error. Storage. Ah, je me serais trompé. Point slash. Ah bah oui, je suis déjà dans le répertoire storage en fait. Effectivement. Voilà. Je refais un petit podman ps. De cette façon, j'ai ça. Donc podman exec. Et on se retrouve. Donc là, on se retrouve à nouveau dans le conteneur. Je fais un petit df-h, on a bien un varlog nginx. C'est marrant, par défaut, il fait 4 gigas. Et si je fais un petit... Si je vais dans varlog nginx, j'ai un access log et un error log. Est-ce que maintenant, dans mon répertoire log, j'ai un access log et un error log? Hey! Ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, puis je vais relancer un curl. Voilà. Et maintenant, si je suis dans mon conteneur et puis je fais un petit cat de mon access log, j'ai le résultat. D'ailleurs, c'est marrant. C'est marrant. Il me file l'IP 10.0.200. C'est amusant ça. Alors pourquoi je trouve ça amusant? Parce que si je vous montre au niveau de mon conteneur, que je fais un IP ADDR A, un IP ADDR, pardon, ADDR show, vous voyez que là, je suis en 192, 168, 122, 122, slash 24. Donc c'est parce que c'est une machine virtuelle libvirt. Donc je suis dans le sous-réseau par défaut de libvirt. Et comme on peut s'en douter, comment dire, mon hyperviseur, la machine là qui me sert à streamer, qui fait tourner cette VM, donc elle est aussi dans ce sous-réseau-là, en 122.1. Et comme elle est en 122.1, moi je me disais, ça se trouve, je vais peut-être voir l'IP en 122.1, mais non, je vois une IP, on dirait qu'il y a un mapping, c'est intéressant ça. Je peux vous le montrer tout simplement en faisant ça. Je quitte ma session SSH. Bon, il me dit qu'il a refermé la connexion. Et si je fais ça, last login depuis 122.1, je recommence last login depuis 122.1. Voilà. Oups là, un seul A. Et si jamais je le fais depuis mon navigateur? Je tente un petit refresh. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est bon, c'est bien la même IP. Voilà, et là, Mozilla. Ok. Ce qui peut être marrant maintenant, c'est de voir dans mon répertoire storage. Tiens, on va bouger le YOLO dans stuff. Hop. Et si je regarde le répertoire de log, ce qui est assez amusant, c'est que les logs m'appartiennent en tant qu'utilisateur Nils. Ce qui veut dire que pour le moment, la seule configuration que j'ai eu à faire en tant que root, c'est la redirection de port.
tout le reste tourne dans un seul utilisateur, en théorie non privilégié, dans les faits, bon, sud ou moins L, open bar, voilà quoi. Hein, si là, comme ça, quelqu'un arrive à s'échapper du conteneur, dans l'absolu, il est route. Hein. Mais... et puis d'ailleurs, si je suis un petit get en force, normalement, voilà, enforcing. Donc bon. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux tenter de. De faire deux montages. Alors. Tac. Si je fais un moins V, on va dire point slash htdocs. On va peut-être mettre une bêtise dans. Allez, 4. Ouais, 4 stuff yolo.txt dans htdocs et on va l'appeler index.html. Voilà. Et là, donc j'ai dit point slash htdocs, deux points. Alors c'est usr share. De toute façon, on va retrouver. Hein. Dans le Dockerfile, il dit quoi? User share nginx html. User share nginx html. Et on récupère ça. Il a pas l'air d'aimer. Ah bah oui. Fatalement. Podman. PS. Podman. Stop. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux. Voilà, il l'a créé. Si je refais un podman PS, il existe. Donc on va refaire la même. Hein. On va aller dans, dans le conteneur. TDF. Ah tiens, par contre, j'en ai qu'un, effectivement. J'ai que le var log nginx, j'ai pas le htdocs. Dommage. Alors, comment est-ce que je peux... comment est-ce que je peux... D'accord. J'ai pas installé les manpages sur ma machine. Enfin, sur la VM. Ah, le répertoire normal, ce serait $room.localshare containers storage volumes. Ok. Merci beaucoup pour le follow, Venums. Merci à toi, merci beaucoup. Alors... c'est là qu'on va recontinuer à aller chercher un petit peu parce que là leur truc le... Alors Podman multiple volumes attachment ou attache. Hop. Ah, il y a une documentation sur le site de Podman, ça c'est très bien. Volume ouais. Non, il y a des tutoriaux. Ça, c'est cool. On aurait peut-être pu utiliser ça, effectivement. Podman volume ls. Alors. Parce que là, si je reviens sur ma VM et que je fais un petit podman volume ls, il n'a pas grand-chose. Mais ouais, du coup, en fait, c'est multiple directories, peut-être, ou... Moon directory to container.
Il y a peut-être un truc dans la syntaxe que je ne vois pas. Hein. Alors lui, il fait un moins moins mount. D'accord, alors le flag Z. Alors, comme ça, on va comprendre à quoi ça sert, ce flag. Alors lui, il le fait tourner en mode privilège. Ok. Podman will do the relabeling. D'accord. Avec grand Z. Et avec un petit Z, il pourrait faire... Ok. Intéressant, ça. Hein. Bon, là, c'est plus du SE Linux que du Podman, mais... Mais c'est intéressant. C'est pas forcément ça qui m'intéressait. Moi, j'aurais juste voulu faire plusieurs fois des... Ah oui, d'accord, avec le unshare. Ouais, ok, bon. On a réussi à... Je pense qu'après, on va peut-être jouer avec les volumes. Mais dans l'immédiat... Celui-là, c'est un que j'ai vu ou pas? Ah, et on n'a pas encore joué avec Docker Compose aussi. J'ai pas l'impression que... Ah, il joue avec des labels, des mounts... Oula. Ah, il y a des commandes bien compliquées, j'ai l'impression, moi. Alors. Moins V, moins moins volume. Source volume, ose dire, container dire, option. Ok. Alors la question c'est... est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? J'ai pas l'impression, hein. Le truc précise pas. Je vais zoomer un petit peu. Hop. Donc, moins moins volume, moins V, source volume, host dir, 2 points, container dir, 2 points option. Ok. Créer un bind mount, ouais, ok. Mais du coup, je pourrais le faire deux fois, non? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire plusieurs fois? Parce que là, il a pris le premier en compte, mais pas le deuxième, en fait. Bon, si ça se trouve, ça ne marche que pour un seul. On va retenter un truc. Podman, mount, multiple volume. Ouais, mais ça, c'est le mount. Podman volume. Bon, ça a l'air d'être vraiment leurs trucs de volume, mais c'est bizarre, ça. Bon, bah... 1, ça passe. 2, ça passe pas. Ou bon, en tout cas, j'ai pas compris comment l'ajouter. À moins que je fasse sans le deuxième moins V. Comme ça. Alors, du coup, il va peut-être falloir que je fasse un petit podman. Je vais tenter ça.
ça. On va recommencer ça. Ça se trouve, il va me dire ma syntaxe erreur. Voilà, invalide référence format. Ok, bon. Et bon, au moins, on aura essayé, mais donc, dans l'immédiat, on peut avoir un seul. On peut avoir un seul. Uniquement un seul. Un seul volume de montée. C'est. Je ne sais pas si c'est une limitation. Soit de Podman, soit de Docker, ou quoi que ce soit, mais. Mais voilà, dans l'immédiat, on a ça. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va se créer du coup des volumes. Puisqu'a priori, dans le tuto que je suis là, il y a moyen de faire des volumes. Et si ça se trouve, en étant en mode non route, il va le créer là où on l'avait vu dans le point local quelque chose. Donc, si je fais un Podman volume create. Alors, comment on va l'appeler? On va l'appeler test 01 underscore. On va dire logs. Tiens. Voilà. Et si je fais un podman volume ls, il est là. Et est-ce que j'ai des options Non. Help volume. Alors, créer un nouveau volume, volume existe, export, import, inspect, ok, liste volume, volume, ok. Alors, maintenant je vais reprendre mon truc ici. Alors, comment ça se passe pour aller monter mes volumes? Et ben on refait la même chose, en fait c'est moins V et le nom du volume en fait. Donc on l'a appelé test01 underscore logs. Logs ou log? On l'a appelé logs. C'est pas très futé ça. Hop là. Donc, tac. Et on va mettre ça dans. On va mettre ça dans, bah, dans varlog nginx. Voilà. Et. Ensuite, eh ben, on reprend le nom de notre conteneur custom. Hop. Ensuite, on va se rendre dans notre conteneur. Hop là. Si je fais un petit df-h, j'ai quoi? J'ai toujours mon varlog nginx. C'est marrant, il est utilisé à deux. J'avais jamais fait gaffe ça. Il utilise à 2 gigas par défaut. C'est quoi cette blague? Ce qu'on peut voir peut-être, hein, c'est est-ce que du coup il y a des choses là-dedans. Voilà, comme toujours, hein, 0. Et alors ce qu'on va peut-être tenter maintenant, c'est que ben, je vais revenir ici. Hop, on va faire un curl, un curl, un curl. Voilà, il y a des trucs dedans. Ça, c'est cool. Je quitte. Bah, je vais kill mon conteneur. Hein. Podman stop. Alors je devrais pas dire kill, je devrais dire stop. Hop. Non mais. Hop. Voilà. Donc là, je retente un curl. Normalement, il répond plus. Maintenant, si je relance à nouveau mon conteneur et que je vais. À ce niveau-là, donc je rentre à nouveau dans le conteneur. Déjà, si je fais un history, bah, il n'y a plus rien. Et on va retourner dans varlog nginx. Et j'ai mes trois trucs. Je fais ça. Hop, j'en ai un quatrième. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir regarder ça depuis mon hôte? Parce que là, pour l'instant. Si je vais dans point local share containers cache storage volume test01 log, donc il m'appartient, c'est cool. Data, ok, c'est cool, on retrouve facilement, c'est pas un gros blob binaire, c'est cool. C'est très cool.
Alors maintenant, de ce que j'ai cru voir sur le tutoriel, il y a moyen de faire un truc aussi sympa, c'est podman volume, hop, inspect, le nom du volume, donc test01logs. Et donc, il indique le point de montage, ok, la date de création, s'il y a des labels, ok. Ok, c'est cool. C'est assez cool. Maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est est-ce qu'on peut en créer un autre? Hop. Et on va l'appeler htdocs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce... Parce que là, si je fais un petit inspect test01 htdocs, donc on a le contenu ici. Et donc, on va peut-être pouvoir lui mettre un index.html. Pas de soucis, Manon, à bientôt. Merci d'être passé. Et encore merci pour les subgifts. Si je tente un truc du genre, on va aller faire un petit hop. J'avais un répertoire podman avec storage. J'avais mis quoi? J'avais fait un htdocs, j'avais fait un index. Hop. Voilà. Donc j'ai un petit truc comme ça. Est-ce que je peux est-ce que je peux faire encore avec Ah, je vais avoir le même problème en fait, j'utilise la même commande. J'utilise la même commande. On va voir ce qu'on peut faire alors. Podman PS. Hop. Alors, si je tente un deuxième moins V, test 01, underscore ht docs, et on va le mettre dans var, en usr, hop, usr, share, nginx, ht docs, ok, podman exec, moins hit alors l'ID voilà et on retourne à l'intérieur de notre conteneur qui a que varlog nginx de montée donc j'ai le même problème en fait que ce soit via simplement monter un file system ou utiliser la création des volumes. Bon, bah on va regarder à nouveau. On peut faire des exports et des imports. Ok, c'est cool. Ah non, attends. Non, c'est intéressant ça. Alors par contre, faut être... Ah. When podman... Ah, en rootless mode. $.config slash container slash mount.conf. Eh ben on va regarder ça, ça a l'air intéressant ça, non? Donc a priori, si on le fait pas en ligne de commande, il y a peut-être moyen de le faire avec un fichier de conf. Alors il disait quoi, les mounts?
Zut, j'ai oublié le... Ah ouais, ça c'est la page de manuel. Hop. Allons-y voir. Et il nous renvoie sur GitHub. Ok. Donc le format du fichier. Ok. Alors, si je reviens au truc d'avant. Donc, $.home.config containers. Ah tiens, je l'ai pas. Et ensuite, un fichier qui va s'appeler mounts.conf. Eh ben, allons-y, hein, Hop, alors. Comment il se met en place? Il dit juste source dest un montage par ligne. Ok. Et ensuite, on a dit celui-là. Voilà. Donc a priori c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des... remarque, ouais, un fichier qui s'appelle USHR compte. Ah. Est-ce qu'il existe? Oui. USHR, RHL. Ok. D'accord. Bon, bah j'ai fait comme ça. Très bien. Et donc maintenant... Si je retente ma chance, alors du coup j'enlève mes montages. Et une fois que j'ai enlevé mes montages, est-ce que il va me... Je pense pas, hein. Je vois pas pourquoi il me le mettrait automatiquement sans que je lui demande. Je trouve ça un peu limite. Ouais, là j'ai rien, hein. Var log nginx. Et les access error logs sont vides. Donc, la question c'est comment on l'utilise. Ah, il faut set la variable containers.conf. D'accord. Alors, allons-y. Donc, si je fais un écho dollar, j'ai dit dollar de... Non, pas ça. Hop. On a dit que c'était containers.conf. Hop. D'accord. Donc, effectivement, alors si je fais un containers.conf égal, on va dire slash, on va faire en chemin absolu dans .config. Voilà, et on lance. Je relance mon podman comme ça. Error reading system config decode configuration. Il s'attendait à un point ou un égal, mais il a eu un deux points à la place. Ah. Ah. Ah, c'est amusant parce que. C'est amusant parce que... Bon. Allez, on va lui donner un égal. Si c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il aura. Non, toujours pas. Expected value but found slash instead. Ok. Ok, je dois avouer que il m'embête un peu. Alors on va y aller une fois, on va y aller une étape à la fois, hein. Si je refais ça, non, toujours pas. Alors
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter. Je vais tenter avec les anciens fichiers. Hop. Donc, si je vais dans mon répertoire Podman, test01, storage, on va faire les logs, hein. Si je lui dis slash home nils hop podman voilà et je mets var log nginx. Alors, est-ce que ça va passer à votre avis? Non, toujours pas. Ligne 1. Il me déçoit un peu, Podman, là. Parce qu'on est d'accord que j'ai fait la même chose que dans le User Share Containers. Ok, alors on va essayer ça, tiens. On va lui mettre ce fichier-là. Ce serait quand même assez dingue si ça marche pas, hein. Ah non, il en veut pas non plus. Alors là, il y a un truc, je pense que j'ai loupé quelque chose. Je pense que j'ai loupé un truc. Il doit me. Alors, je vais regarder directement la page de manuel de Podman. C'était quoi? Podman tiret. Ah non, c'est containers mount.conf. Ouais, non, il dit la même chose, hein. La page de manuel n'a pas évolué. Et si je fais un man Podman volume. On peut faire qu'un seul montage et sur la ligne de commande. C'est. Je suis. Je vous avoue, je suis un peu déçu là. Hein. Pas par vous, hein, que je sois clair. Mais là, Podman, tu me déçois. Troubleshooting. Can't use volume mount. Permission denied. Sometimes as a Linux. Ouais, ok. Dockerfile, permission denied. Salut à toi, Ribo. Alors, rootless podman build fails. Ouais, non, NFS, on s'en fiche. Alors, il y aurait un point config containers.conf. Il y aurait un volume pass. Ou alors lancer podman en tant que root. Alors ça, je dois avouer que. C'est assez embêtant. Je suis assez surpris que je sois le premier à qui ça arrive de.
d'avoir plusieurs volumes. Alors, un même volume accessible depuis plusieurs conteneurs, bon, je peux comprendre aussi. Je peux essayer effectivement de le lancer en tant que route, on va voir. Où est-ce que j'avais fait mes multiples tests? Là. Puis ben, on va faire un sudo, hein. Please select image. Ah bah oui, forte. Ah mais. Bah oui, registry. Sérieux, registry access red hat, c'est quoi cette blague? Ah oui, je crois que j'ai compris. C'est que comme j'ai fait mon Docker, enfin mon Docker, mais j'ai mon conteneur custom qui a été fait en nom. En nom. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va faire. Hop, et je vais lui dire, vas-y, récupère-moi un Fedora, tiens. Voilà. Sudo podman aps. Sérieux, il me l'a pas fait? Il me l'a pas fait? Ah? Je vais refaire la même chose alors. Run, ouais. Alors on va peut-être pas s'embêter la vie, on va peut-être faire un exec moins IT sans les numéros de port et trucs comme ça. Hein. Hop. On va faire run moins t. Voilà. J'ai le varlog nginx comme toujours. Oh, puis en plus il est vide, tiens. Ah bah oui, parce que ça existe, ça doit pas exister au niveau. Vu que j'ai tout créé dans le dans l'utilisateur. Alors si jamais j'exite et que je fais un sudo podman volume list local, local, ok. Et ça, ok, bon. Ouais, c'est un peu compliqué, je trouve ça. Je trouve ça. C'est dommage. Alors, volume option. Ok. Parce que j'ai réussi à avoir un volume. Que ce soit un montage de file system existant, soit créer un volume soi-même. Ou alors, l'autre possibilité que je vois dans ce cas-là, ce serait que dans mon. Dans mon Dockerfile, en fait, je recrée un Dockerfile dans lequel je mets des liens symboliques vers des emplacements qui, bon, bah, du coup, n'existent pas. Mais en fait, je fais un seul volume dans lequel je mets à la fois l'application, les logs, enfin l'application, je veux dire, les htdocs, par exemple, et je fais des sous-répertoires et je mets des liens symboliques. Ça m'ennuie un peu, ou alors je pourrais mettre des mount bind.
Ah là là, je pensais pas que je serais embêté par ça. Je pensais pas que je serais embêté par ça. Bon. Salut Azram. Dans la commande où j'ai les deux mounts, le dossier destination pour le htdocs existe vraiment. Alors. Hop. Quand je fais mon USRShare Nginx. USRShare Nginx HTML. Ah, c'est HTDoc. Oh! Ce serait HTML. Alors, oups. Ce serait HTML. Ah! Non, rien. Alors je vais le faire en. Je vais le faire en nom. Mais dans ce cas-là, il faut que je le fasse avec mon truc à moi. Et ce serait. Hop, il s'appelle comment déjà mon. Podman. Podman Images. Et il s'appelle. Maintenant, je vais pas le faire en sudo. Ah là là. Alors, c'est une bonne question, Azram. Tiens, on va essayer. Alors déjà, là, il met un peu de temps. Il met un peu de temps. Il met un peu de temps, mais il y a déjà un truc qui est lancé. A priori, ce serait celui-là. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas d'accord, Podman? Tu veux pas te lancer? Enfin, tu veux pas exécuter mon. Ah, mais oui, je sais pourquoi. Hop. Bin bash, ça peut être pas mal, non? Voilà. Là, j'ai que le Varlog Nginx, on dirait. Et si je regarde le contenu du répertoire HTML. Ah! Coucou le stream. Alors, ça c'est amusant. En fait, il n'affiche que le montage de Varlog Nginx. Alors. Si je reprends mon. Si je reprends celui-ci. Donc là, normalement, Ah bah non, il m'a mis le. Alors. Donc, bah oui, c'est parce que je l'ai encore mis dans htdocs. Ah, punaise, je me suis encore trompé. Hop, je reviens ici et je mets HTML. Bon, t'inquiète pas, Azram, je vais tester tes hypothèses. Je vais juste. Hop. Voir. Si effectivement, en fait, c'est juste que ça fonctionne, mais que l'affichage semblerait poser problème. Donc j'ai que USRShare Nginx HTML. Là, j'ai qu'un index là. Ok, coucou le stream. Et si je fais un curl, coucou le stream. Ok. Donc maintenant, cat slash proc slash mount, effectivement. Mais il ne m'indique pas grand-chose. Alors, on va faire un less. Proc mount. Overlay.
Local, share, container. On va peut-être grepper. Si je fais un petit grep, hop là, grep logs dans proc mount, j'ai rien. Si je fais un petit grep du coup htdocs, j'ai rien non plus. Et si je fais un grep html, dev vda5 user share. Ah. Ah, alors. Fichtre. Ouais, alors attends. Grep log dev vda5 var log nginx. Ah, oh, c'est marrant ça. Tiens, je suis en butterfs. Ah oui, je suis en butterfs sur la machine. Oui, c'est logique. C'est logique, j'ai pris une image cloud Fedora. Donc elle est en butterfs. Ok. Donc en fait, ce que je suspecte, c'est que un coup, il arrive à utiliser le même périphérique bloc. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait des trucs un peu bizarres là. Hein. Je suis un peu en mode, mais ça défie la logique. Qu'est-ce donc que cette magie noire? Par contre, maintenant, on va peut-être retester la suggestion d'Azram, parce que, quand même. Donc déjà, je vais... Vous rendez compte, des fois, quand je commence à écrire doc et pas podman. Allons-y, podman ps, podman stop. Ensuite, on reprend cette commande-là. Et on vire hop, ok, donc là j'ai relancé. On va retourner dans le conteneur. Et une fois que je suis dans le conteneur, si je fais un petit df, il me redit varlog nginx, tiens. Ok. Et si je fais un petit grep de log dans proc mount. Ok. Et si je fais un grep HTML, hop là, dans proc mount, on a la même chose en fait, voilà. Donc faire de multiples montages, c'est possible. Maintenant, je suis pas grand fan du résultat. Hein. Enfin, les trucs sont montés, mais c'est pas comme d'habitude. Ça perturbe un peu mes habitudes. Mais bon, on va pas se plaindre, ça fonctionne. Mais va investiguer quand t'as des soucis, hein. Ok, donc ça c'est cool, parce que ça veut dire que à partir de ce moment-là, on peut créer un conteneur. Comment dire, on peut créer un conteneur. On peut lui dire, au fait, les logs, tu les balances là. Et comme ça, on peut, quand on termine le conteneur et quand on en recrée un autre, on peut avoir les logs existants. Donc ça, c'est cool. Et on peut aussi avoir l'application, on peut se dire, tiens, je mets à jour mon code HTML sans avoir de soucis au niveau de relancer le conteneur. Alors,
Un truc que j'aimerais bien faire maintenant, c'est recréer mon. On va recréer le. Alors, Dockerfile. Et ce qu'on va faire, c'est que. Ah, mais en plus, ça, j'aurais. Tiens, je vais le laisser, celui-là, le Nginx Podman. Je vais enlever ça. Alors, je vais enlever mon application, entre guillemets. Non. Voilà. Ça, j'enlève. A priori, plus besoin de Git ou de Nginx. Hein. Enfin, pas de Nginx, je veux dire de rsync. Voilà. Donc là, j'ai juste. J'ai juste. Ce que va faire mon conteneur, enfin, quand je vais le builder, il y aura juste Nginx d'installer dedans et il y aura l'index.html qui est remplacé. Hop, allez. Je rebuild mon conteneur. Et si je relance ça sans mes. Alors je vais juste garder les logs. Hop, on va enlever le. On va enlever le htdocs. Oui. Voilà. On recommence. Cette fois-ci, c'est bon. Et si je viens ici et que je fais un curl, j'ai Nginx on Podman. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et du coup, par contre, si je vais faire un tour dans point local share, containers, storage, et on était dans volume, et que je vais dans les logs. Ok, donc j'ai mon dernier qui date du. Ouais, c'est ça, c'est à peu près l'heure. Ok, cool. Salut Jonathan. Eh ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça, que cette urgence va vite se résoudre. Bon courage à toi et bon courage surtout aux petits. Le petit d'abord. Donc j'ai eu dans maintenant si je regarde dans mon test 01 htdocs dans le data dans mon index j'ai quoi? J'ai le coucou le stream et j'ai pas le oui Nginx on Podman hein. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant bah, c'est à nouveau allez, Podman PS on va stopper celui-là. Clever Galileo. Hop, et on va reprendre avec avec mes deux volumes. Et là, en toute logique, il devrait dire coucou le stream. Et cette fois-ci, il dit coucou le stream. Maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Sachant que j'ai. Hop, j'ai perdu mes. Hop, voilà. Sachant que ici j'ai mon index, eh bien ce que je vais pouvoir faire, je pense, si je vais dans mon repo Git, GitHub, ok, alors, là j'ai juste les CFG files, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon code. Un petit git clone vite fait voilà et là j'ai mon contenu qui est prêt à être envoyé et on va pas s'embêter la vie hein. CP moins moins AV de tout ça dans alors je sais pas si c'est la façon propre de le faire j'ai comme un gros doute. Et on va bien entendu overwrite l'index. Ok. Sauf que je n'ai pas quitté mon. Je n'ai pas quitté mon. Mon conteneur.
Et comme je n'ai pas quitté mon conteneur, si ça se trouve, si maintenant je refais un curl... Ah, il me dit forbidden. Il me dit forbidden. En mon avis, je crois qu'on s'est fait avoir avec les droits. Est-ce qu'on se serait fait avoir avec les droits? Non, le truc il a l'air à peu près. Oui, avec un bin bash, un shell, ça peut être une idée. Ah oui. Ok. Ok, donc là, il aime pas trop. Il aime pas trop. Il aime pas trop. C'est dommage. Si jamais... Si jamais je fais un truc du genre... Alors, si je le quitte, par contre. Voilà. Et si je le relance. Nginx on Podman. Ah. Pourtant, est-ce que je me serais... Ah oui, je me suis trompé. J'ai juste mis le Varlog Nginx. Donc... voilà. Cette fois-ci, je lance les deux. Que je reviens ici. Forbidden toujours. D'accord. Alors, ce que je me dis cette fois-ci, c'est est-ce que ça passerait si on lui dit à chaque fois avec son 2.z? C'est ça, hein? Hop. Voilà. Je vais retourner dedans tout de suite. Et donc, maintenant que ça, c'est fait, et bon, on va jeter un œil au répertoire. Ok, là, cette fois-ci, on est bon. Tout appartient à route, mais on est bon. Et maintenant, et ben, je peux revenir ici. Et si je fais un curl, j'ai bien mon contenu. Et si je le tente avec un vrai navigateur web, ok, c'est bon. Et donc... Je peux aller regarder les logs. Hop, ici. Test 01 logs. Data, access log. Et effectivement, j'ai mon access log. Et on voit même le 403 de tout à l'heure. Ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Là, on a un truc qui a l'air plutôt sympa. On a l'air d'avoir un truc qui est plutôt sympa, ça me plaît bien. Je vois deux choses encore. Je vois deux choses encore, mais je pense pas qu'on va s'y atteler ce soir. Je pense que la méthode du je vais mettre à jour mon volume de stockage comme ça. Alors oui, Azram, la construction d'image, pour le moment, j'y vais à l'arrache avec un Dockerfile. Mais effectivement, peut-être que Builda, ça pourrait être une idée. Je suis... Le nom est déjà passé devant mes yeux. Ça fait partie des choses qu'on pourrait regarder dans le cadre de ces streams. Peut-être pas tout de suite. Mais il y a peut-être moyen.
Je pense qu'on va en rester là pour ce soir. Parce que là, je pense que si je me relance dans un autre truc, ça va prendre énormément de temps. Je vois deux choses dans les médias qui pourraient suivre. Hop là. Alors, si le bignou veut bien. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, hop. On va reparler OBS. Hop, voilà, on va se remettre comme ça. En fait, là, globalement, on a réussi à mettre en place du stockage permanent. Donc, au fur et à mesure que je crée mon conteneur, que je le détruis, le stockage reste permanent, ce qui est plutôt cool. Maintenant, je vois un truc à évoluer au niveau du stockage. Alors, je sais qu'il est possible de faire du stockage distant, mais c'est pas forcément ça qui va m'intéresser dans l'immédiat. Ce qui va m'intéresser dans l'immédiat, c'est de faire en sorte que ce stockage, il y ait des droits dessus. Et pas juste comment dire, des droits d'accès, mais d'aller peut-être un peu plus loin et de voir si on peut faire des montages en lecture seule, par exemple. De façon à ce que, supposons qu'on ait au hasard hein, un site en PHP avec des zones où on autoriserait l'upload et des zones où on ne l'autoriserait pas, ça pourrait être sympa que le code PHP soit globalement en lecture seule, sauf l'emplacement où on récupère les téléchargements. Ça, c'est juste un exemple. Je dis pas que c'est ce qu'on va forcément faire. Mais là, par exemple, dans mon cas de figure, où je pose juste une pauvre page HTML, une CSS et quelques images, ben, on peut laisser le truc en lecture seule. Il y a pas de souci de ce côté-là. Donc, il n'y a pas besoin d'aller mettre des droits plus avancés, enfin plus étendus plutôt. Un autre truc, c'est que pour le moment, on n'a toujours pas touché à la configuration de Nginx. Et je me demande comment on pourrait faire de façon relativement propre pour aller modifier la conf de Nginx. Parce que là, là comme ça, la chose qui me vient à l'idée, c'est de dire dans le répertoire où j'aurai mon Dockerfile, je peux mettre une conf Nginx personnalisée et dire vas-y, copie la conf. Ça peut être une idée. Ce sera sans doute ce qu'on démarrera pour le prochain stream. Après s'être amusé encore un peu avec le stockage. Voili voilou. J'espère que ça vous a intéressé. Vous étiez nombreux à être passés. J'espère que ça vous a plu. Toujours est-il que on va en rester là pour ce soir. Si jamais ça vous intéresse toujours, les streams sur les conteneurs ont lieu chaque semaine, le dimanche de 18h à 20h à peu près. Le jeudi, habituellement, je fais plutôt du lab infrastructure as code avec beaucoup de Terraform, pas mal de Cloud Init. J'espère dans les prochains lives passer un petit peu sur l'Ansible quand on aura un peu mis en place notre infrastructure. Par contre, attention, alors les jeudis c'est plutôt de 20h à 22h, mais pas jeudi prochain. Jeudi prochain je ne serai pas disponible, je pourrai donc pas assurer le live. Si jamais vous voulez voir d'anciennes vidéos, alors il y a les VOD, enfin les replays sur Twitch qui durent 2 semaines. Et pour les beaucoup plus anciennes vidéos, vous pourrez les trouver sur YouTube quand j'aurai fini le montage. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est indiqué là-dessous. Et j'espère que bah, on pourra aussi rediscuter. Il y a eu pas mal de nouveaux sur le serveur Discord. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints. Je t'en prie, Rancune, moi ça me fait plaisir de faire tout ça. Je t'en prie. Je souhaite une excellente soirée. Je vous dis du coup à dimanche prochain. Et puis d'ici là, amusez-vous bien. Bye bye!